Bonsoir. Bon, à quel moment vous allez regarder cette vidéo? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Retour de vacances pour moi. Je ne sais pas si vous... Enfin, si je vais poster le vlog des vacances à Palma avant ou après cette vidéo. En principe, normalement, si tout se passe bien, je poste le vlog avant. Je suis rentrée jeudi, nous sommes lundi, ça fait déjà 4 jours. Et c'était génial. Si vous avez vu le vlog, voilà, j'ai partagé des moments avec vous, beaucoup de moments même. Encore plus sur Instagram que sur YouTube. En fait, c'est en montant la vidéo que j'ai réalisé que j'ai... Enfin, j'ai partagé quand même sur YouTube. Mais il y a des moments, enfin, des petits moments que j'ai pas, j'ai pas pu vlogger. J'ai pu se partager sur Insta. Je vous mets d'ailleurs le compte de mon Instagram en barre d'infos les filles si vous souhaitez me suivre sur Instagram. En fait, le truc sur Insta, c'est que en fait, t'as pas de montage à faire, t'as pas de coupure à faire, etc. Tu postes le truc, voilà, c'est instantané. Tu prends le moment en photo ou en vidéo et puis bah, tu l'envoies en story ou en photo. Ça va assez vite en fait, contrairement à YouTube. Enfin bref, on va aller chez le... Enfin, je vais aller chez le médecin, mon mari m'accompagne. Et ensuite, on va aller faire 2-3 courses. Sorti les filles, on débute ce nouveau vlog ensemble. Let's go! Je voulais partager avec vous un petit retour de course, enfin petit. Vous allez voir, on a pris pas mal de choses. Il est déjà, quelle heure il est? 4h25. Alors, on est passé chez Confrey. On a fait une course de la semaine. Il manquera juste l'eau et le lait. Ça, on ne prend pas chez Confrey. J'ai commencé par des fruits, légumes et filles. Donc par ici, j'ai pris de la tomate. Hop. Pour celles qui ont regardé ma précédente vidéo, il me semble. Ouais, le précédent, pas le vlog de Palma, mais la vidéo d'avant. J'avais fait une tarte à la tomate. Moi, à chaque fois qu'il commence à faire chaud comme ça à l'été, je peux en manger plusieurs fois dans la semaine, ça me pose aucun problème. Ensuite, par ici, j'ai pris de la carotte. On a un sachet, j'ai pas de contenance, je dirais peut-être un kilo et demi, un peu, peut-être un peu plus. Alors, la carotte, comment j'aime la manger les filles, surtout quand il commence à faire chaud comme ça, c'est que je la fais cuire à la vapeur, donc dans le steam, j'allais dire le steam pot, n'importe quoi, dans le e-compagnon en mode steam. Ensuite, je viens la découper en tout petits morceaux. J'ajoute de l'ail, du citron, un filet d'huile d'olive. Je finis par une petite touche de persil ou coriandre et c'est juste un délice. Par contre, je la mange bien bien fraîche. Je prépare ça, par exemple, le matin pour le midi. Enfin, je la prépare avant pour la consommer, pour la manger bien fraîche. Par là, j'ai également pris des avocats, ça pareil, pour de la salade. J'ai pris une barquette de kiwis, il y en a pas mal. Lilou et les kiwis, il adore ça. Il en mange tous les matins au petit déjeuner. Je vous avoue que moi, la manger comme ça, le kiwi, je suis pas fan. Moi, j'aime bien la boire en smoothie. J'ai pris également de l'ail. Par là, j'ai pris de... C'est pas de l'échalote, c'est de l'oignon rouge. Par ici, j'ai pris de la pomme de terre. Bon, c'est marqué pomme de terre salade. J'ai l'habitude à prendre, ça va aussi bien comme salade, en friture, enfin en purée. Moi je la cuisine vraiment de plusieurs façons. Par ici j'ai pris de la banane, de l'aubergine. Ensuite par ici j'ai pris un filet de truite. Alors pour tout ce qui est fromage, j'ai pris, alors tout le fromage par là. Ça c'est des plats que j'aime pas quand on dépose des choses. Par ici, j'ai pris de la mimoulette. Lilou, il adore la mimoulette. J'ai pris de la stracciatella. Ça, les filles, c'est trop, 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 trop bon. Que ce soit sur du pain tartiné, sur des pâtes, sur une salade, sur la tarte que je vous avais montré la dernière fois, tarte à la tomate. J'aime bien en manger aussi avec. Enfin, c'est juste trop, trop bon. J'ai pris de la crème fraîche, de l'emmental râpé, de la bûche de chèvre. Ensuite, par là, j'ai pris du yaourt pour Lilou.
J'ai pris ça, c'est la première fois que je prends, j'ai une envie de sardine comme je vous ai montré là pour tout à l'heure. J'ai pris de la sardine, donc enfin comme ça en conserve, ça c'est avec du piment d'Espelette. Et ça c'est du filet de maquereau grillé naturellement. Voilà, j'ai pris également de la purée de tomates. Coucou! De la sauce soja, du jus de... C'est mon mari me taquine. J'ai également pris du jus, ça c'est du jus multifruits pour le matin, comme ça pour le jour. Hop, attendez, je sais pas ce que je vous ai montré. Par ici j'ai pris du riz, en fait c'est un trio de riz, donc on a du riz noir, du riz blanc et du riz un peu marron. Je connais pas, j'ai jamais acheté ce genre de riz là. On verra bien ce que ça donne. Alors ça les filles, j'ai pas pu résister, j'ai ouvert le paquet, j'en ai mangé dans la voiture. Moi il faut savoir que j'adore les dattes. Ça c'est de la marque Bavari, donc c'est marqué Premium Dattes. Et elles sont, attendez je vous montre déjà la couleur et le calibre les filles. Elles sont délicieuses. Je crois que j'en ai mangé 4 ou 5, mon mari aussi. J'aime bien manger moi les dattes le matin, ou même quand j'ai un petit creux comme ça en journée, ça passe bien. Ensuite par là, j'ai pris du pain de mie, hop. Et ça les filles, ça m'a donné trop envie. Je suis passée par le rayon, on est passé par le rayon gâteau, chocolat, tout ça, tout ça. Épicerie. Non, c'est pas épicerie. Si, c'est épicerie. Bon, c'est épicerie. Et du coup, ce brownie au chocolat comme ça m'a donné envie, il m'a appelé de loin. Ça t'a donné envie toi aussi? Oui. Ça t'a donné envie ou pas? Ça t'a donné envie? Moins. En fait, lui, ce qu'il a pris, monsieur, il a pris ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des biscuits feuilletés, fourrage à l'abricot, goût abricot. Donc, c'est à la confiture, je vous montre. C'est fourré avec de la confiture. Ouais, c'est fourré avec la confiture d'abricot. Et il y a du sucre par-dessus. Deux gamins. Voilà, on est deux enfants, mon mari, quand on va faire des courses. C'est deux petits enfants. Voilà, mais lui, franchement, le brownie m'a donné trop envie. J'espère qu'il est aussi beau, mais surtout aussi bon qu'il en a l'air, en tout cas dans le packaging. Je vous en dirai des nouvelles, je vais pas manger maintenant, j'ai plus de place dans mon ventre, on a trop bien mangé là. J'ai fait un repas très très facile, salade, enfin je vous ai montré. Et on a beaucoup mangé, enfin j'ai mangé beaucoup de pain, je crois que j'ai dû manger une demi-baguette. Là j'ai le ventre en... Je vous montre. Là je l'ai rentré un peu, mais ouais, j'ai le ventre qui gonfle moi à chaque fois que je prends du pain. Ce que je vais faire les filles, c'est que je vais aller ranger tout ça, laver le lave-vaisselle. Et dans pas longtemps, dans une... petite demi-heure, je vais aller chercher Lilo. Sinon les filles, je voulais vous montrer, tout à l'heure je suis passée chez Sephora, j'ai pris deux produits de la marque The Ordinary. Alors j'ai pris ce peeling que je connais déjà, c'est un peeling au AHA BHA qui est juste génial. Si vous connaissez pas les filles, foncez, il est top. Moi à chaque fois lorsque je l'applique en masque, parce qu'il faut l'appliquer en masque, je rince mon visage et tout, je vois tout de suite la différence, ma peau est plus lumineuse, elle est plus douce. Les pores, bon ils sont pas resserrés hein. Je vais pas vous vendre du rêve, mais je sais pas, les pores ils sont moins visibles. Enfin en tout cas moi je l'adore ce produit. Il coûte pas cher du tout. Je crois qu'il coûte aux alentours de 9-10 euros, quelque chose comme ça. J'ai également pris un produit, en fait c'est du zinc et de la niacinamide. C'est pas évident à dire. C'est 1% de zinc et 10% de niacinamide. Alors ça je connais pas du tout les filles. Je l'ai pris sous les conseils de la vendeuse. Parce qu'en fait, depuis 4 ans, enfin depuis que je suis tombée enceinte, je sais pas si vous allez le voir, mais je pense pas, j'ai une tache brune, bah si, là vous voyez bien, attendez si je m'approche, hop, ah bah très bien, là vous voyez bien, vous voyez j'ai une tache. Bon déjà moi je suis marquée au niveau du nez, au niveau des joues, j'ai pas mal de, c'est pas des taches de rousseur, mais c'est plus des taches brunes, mais là vous voyez, attendez, hop, voilà, je zoome sur le truc, là normalement vous voyez bien, c'est ça. J'ai une tache en fait depuis 4 ans, elle ne cesse de grandir. Bon les filles, je vous reprends, on a été coupé par la batterie. Donc je vous ai justement en fait, je vais focusser à fond sur cette tache. Là vous ne le voyez pas comme ça parce que je suis maquillée, j'ai du fard à jouer et tout. Forcément je vous montrerai une fois démaquillée plus tard, vous allez le voir. Elle est beaucoup plus visible maintenant, bah, forcément voilà, avec l'été, j'ai été exposée au soleil là à Palma. Ça l'a fait encore plus ressortir. Je me dis, vaut mieux prévenir que guérir. Et puis voilà, deux produits de chez The Ordinary. Je vous donnerai des nouvelles les filles concernant la niacinamide. Sinon pour ce qui est peeling, il est juste génial. Alors ensuite on est passé chez Nespresso. Ça fait longtemps, j'ai pas pris de capsules chez Nespresso. Bah déjà parce que on n'a pas Nespresso à côté de la maison. Et puis il n'y a pas photo au niveau du prix avant, je prenais que ça, je vous en avais parlé en plus.
Et franchement, tu fais tes comptes, ça va vite quoi. 5 euros les tuyaux, je crois qu'il y en a 10 ou quelque chose comme ça. Surtout que nous, on est, enfin, plus mon mari, pas trop, mais moi, je consomme beaucoup de café noir, donc voilà, ça va vite. J'ai pris 3 cafés comme ça, en édition limitée. Donc j'ai pris du Paris Espresso, Istanbul Espresso et du Napoli. Voilà, je sais qu'à chaque fois en été, il sort comme ça des éditions limitées. Je vous avoue que le packaging m'a beaucoup attiré. C'est très... c'est commercial forcément. Pour attirer les consommateurs. Voilà les filles, en ce qui concerne nos courses d'aujourd'hui. Quelle heure il est? Il est 4h15, je vais aller juste me rafraîchir un petit peu le visage, ce qui fait très chaud. Mettre mes birks et je vais aller chercher Lilou à l'école et je vous dis à plus tard. Ferré mon petit Lilou, tu dis coucou fille? Coucou fille. Coucou les filles. Il est très 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 ronchon là depuis tout à l'heure. En fait le pauvre, je lui mets des vans aujourd'hui au pied. Il a eu mal toute la journée. Du coup la tata lui a mis un sparadrap. Mais le pauvre il est venu me dire maman j'ai mal aux chaussures. J'ai pas pu jouer, j'ai pas pu courir. Ça va? Ouais. Il est fatigué aussi. À quelle heure tu t'es levée ce matin? C'était encore dans le lit. À 13h? Il s'est levé très tôt ce matin. Il s'est levé à 6h30. Il n'a pas fait de sieste. Et là, bah, il est fatigué. Il a sali son t-shirt avec du feutre. Qu'on va faire partir avec du produit. Eden m'a fait ça. C'est Eden? Oui, c'est pas moi. C'est jamais lui. C'est jamais toi? Non. Bah oui, toi t'es gentil toi. Tu fais jamais de bêtises toi. Je te prépare un petit goûter. Oui. Tu veux quoi? Le chocolat et les gâteaux au chocolat. Du gâteau au chocolat avec du chocolat au lait. Au lait, au lait. Du froid, non? Oui. C'est mieux froid parce qu'il fait chaud. Hein? Ça va te faire du bien, ça va te rafraîchir. Tu vas nous dire si tu aimes le gâteau au chocolat ou pas, maman. Là, j'ai un nouveau gâteau au chocolat. J'ai où? Je vais te montrer. Tu vas goûter, tu me dis ce que t'en penses? Oui. Si t'aimes ou pas? Oui. Non. Allez, go. R. La cuillère. Tu veux boire avec la paille? Oui. Oui? Oui. Les chocolats sont bons? Oui, ça. Ça, maman. Ça sent le chocolat? Oui, mais ça, maman. Ça sent bon le chocolat. Oui. Tu vas chercher du lait aussi dans le frigo, loulou, s'il te plaît? Oui. Merci. Tu remets le chocolat à sa place? Mon amour, tiens, remets le chocolat à sa place. T'aimes bien le chocolat, toi, t'aimes bien sentir le chocolat. Hop, allez, le lait à sa place, maman va te couper une part de gâteau. Tiens. Maman? Oui, il est là le gâteau. Ben oui. Il donne envie là? Oui. Il a l'air bon, hein? Oui. Oui, il est très bon. Mais tu goûteras, tu diras ce que tu en penses. Si t'aimes ou pas. Petite part de gâteau chocolat. Pour Monsieur Lilou. Maman. Oui mon cœur. Moi je t'aime. Et moi je t'aime plus plus plus. Maman. Oui. Demain à l'école. Oui, demain à l'école. Je te coupe juste un peu parce qu'on va pas tarder à manger. Enfin, tu vas pas tarder à manger. D'accord? Oui. Il va se régaler Lilou. Maman. T'as faim? Regarde le chocolat ici. Bah oui, parce que c'est un gâteau au chocolat. Bah oui. Donc moi, je veux s'en goûter. Tu veux goûter? T'es gourmand. C'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Allez, t'as une belle part. Alors, Lilou, je voulais vous montrer quelque chose. Vas-y. C'est quoi que tu veux montrer aux filles? Ton diplôme? Oui. Ton diplôme de quoi? Le jardinage. Jardinage. Il a eu son petit diplôme. C'est marqué quoi? Diplôme du petit jardinier. Avec son nom et son prénom. T'as planté quoi? Maman, oui. Regarde, c'est 4 ans. T'as 4 ans, oui. T'as planté quoi? Des fleurs. Des fleurs et quoi d'autre? Allez, de l'eau et la graine. Avec quoi? Avec la graine. Avec de la graine, oui. Et de l'eau aussi. De l'eau, oui. Et après la fleur, elle a poussé. Après la fleur, elle a poussé. En fait, dans la cour, ils ont fait des plantations. Il y avait. Mais des mains au pied, maman. Oui, mon cœur, je sais. Allez, va prendre ton goûter. Il y a eu, voilà, ils ont fait des plantations, du coup il y avait des fraises, il y avait des fleurs, il y avait des cerises, des petits tomates. Il m'a ramené ça, il était tout fier de lui. Je vais le garder en souvenir, j'ai une petite boîte à souvenirs. Ouais, je vais les mettre là-dedans, comme ça il pourra le montrer plus tard à ses enfants. Alors je vais me faire un petit café Istanbul, Paris ou
Napoli. Allez, on va partir sur la Dolce Vita. On va se prendre un petit café napolitain. Le verre, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Il a l'air trop bon. En tout cas, Lilo, il a aimé. Bon, petite part. Tout est relatif. Elle n'est pas du tout petite. Hop là. Voilà. Pas mal du tout. Franchement, il est très bon. En plus, il y a des pépites de chocolat à l'intérieur. Il n'est pas très sucré. Franchement, il est pas mal du tout. Regardez les filles à l'intérieur. Il est super moelleux. Très bon en tout cas. Pour ce soir, les filles, pour Lilou, moi je mange pas de soir et mon mari travaille ce soir. Donc je vais lui faire un filet de truite au four. Je vais le faire cuire comme ça avec du papier film. L'idée c'est de le faire cuire en papillote. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, un petit peu de citron, du sel, de l'ail et une feuille de laurier. Donc je vais fermer et je vais envoyer ça au four. Par ici, je suis en train de lui faire une purée pommes de terre et carottes. Voilà. Exactement 9h30, si je vous pose par là, est-ce que ça tient? Non, je vais prendre le risque de faire tomber mon appareil photo. J'ai déposé Lilo à l'école ce matin, je vous avoue qu'on a... Attendez, je ferme la fenêtre, parce qu'il y a des travaux, vous n'allez pas bien m'entendre. Voilà. Donc je vous disais les filles, j'ai déposé Lilo ce matin à l'école. Je vous avoue qu'on a passé une nuit compliquée. Enfin, plus agitée. Lilo, il n'arrêtait pas de bouger. Il a fait plein de cauchemars. Il n'arrêtait pas de me dire, maman, j'ai peur. Et moi, j'ai le sommeil hyper léger. Moi, si tu me réveilles une fois, c'est mort. En fait, je ne me rendors pas tout de suite. C'est soit je me rendors, mais bien tard, soit je ne me rendors pas du tout. Et là, son dernier réveil, c'était à 5h15. Et je pouvais plus fermer les yeux après, donc voilà, je suis restée dans mon lit, je tournais, je bougeais dans tous les sens. J'essayais de penser, vraiment me relaxer, me dire, allez, dors, il te reste, t'as 2 heures devant toi, tu peux dormir. Mais moi j'ai un sommeil, j'ai un sommeil très léger, c'est assez embêtant en fait, je suis très sensible au bruit. Même lorsque quelqu'un marche chez moi en fait, je pense que c'est parce que j'ai le parquet, la fille qui se trouve des excuses. En plus le truc chez nous en fait, c'est que c'est mal isolé. Et encore nos voisins, ils sont là depuis un mois et demi, mais on a connu pire au niveau des voisins. Il y a quelques années, 3-4 ans de ça, on avait une association des femmes isolées avec des enfants. Le truc c'est qu'ils changeaient de personnes régulièrement, en fait tous les mois, et elles habitaient à plusieurs dans l'appartement, donc il y a un T4, c'était une chambre pour chaque personne. Et elles avaient toutes des enfants, donc je vous laisse imaginer le bruit que ça faisait à chaque fois. À chaque fois je montais, s'il vous plaît. En plus Lilo il était petit à l'époque, donc voilà, il s'endormait assez tôt, il se levait très tôt, donc c'était compliqué. Niveau isolation, on est vraiment, c'est vraiment très mal fait. Et en plus moi j'ai le sommeil léger, donc je vous raconte pas. Enfin bref. Alors aujourd'hui les filles, je pense pas sortir. Quoique si je sors, c'est juste pour aller chercher un colis. J'ai commandé en fait du shampoing et du masque pour Lilo. Mais depuis le retour des vacances, en fait, j'ai pas fait le ménage. Si ce n'est juste passer l'aspi et faire les sanitaires. Quoique avant-hier, j'ai fait le linge, j'ai fait le repassage également. Et là, voilà, tout ce qui est
le grand ménage quoi, j'ai pas fait, donc aujourd'hui je vais me consacrer à ça. Ça va être principalement du rangement, du ménage, des lessives, pas mal de lessives à faire aussi. Et puis voilà, vous êtes avec moi pour cette nouvelle journée. Je vais pas vous vlogger tout ce que je vais faire en termes de ménage, parce que j'ai partagé une vidéo récente avec vous, enfin sur ma chaîne, concernant le ménage. Non, je vous montrerai des petits moments par-ci, par-là. Utiliser le steamer en fait pour repasser, steamer les têtes d'oreiller. Ça c'est une matière qui est c'est pas du lin, mais je sais que ça tient pas le repassage. Là ce que je vais faire, c'est que je vais passer juste un coup pour pas les laisser froisser comme ça. Il faut savoir que ce steamer, les filles, est adapté également pour tout ce qui est textile en fait, pas seulement les vêtements, ce qui est drap, housse de couette, canapé également. Après je vous avoue que j'ai jamais utilisé sur mon canapé, tout simplement parce que mon canapé a pas besoin. Mais si vous avez des canapés avec des matières qui se froissent, genre du lin ou des choses comme ça, sachez qu'il est également adapté pour ça. Bon, je l'ai pas allumé. Vous avez deux fonctionnalités. Là vous avez le mode délicat, donc pour tout ce qui est soie, satin, etc. Et là pour mode turbo, moi je vais utiliser le mode turbo. Je suis assez ravie de ce steamer. Je vous laisserai le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Voilà.
dors. Petite pause déj pour ce midi. Enfin, midi, il est déjà 1h30. Je suis seule pour le déjeuner. Donc, j'ai fait une petite salade de pommes de terre. J'ai mis des oignons, du thon, des olives. Et j'ai assaisonné sel, poivre. J'ai mis un petit peu de mayo, du vinaigre. Et puis voilà. Et par ici, je me suis préparé un toast aux chèvres. J'adore ça. Donc, j'ai fait griller du pain de mie. J'ai déposé par-dessus du fromage de chèvre, des noix, et j'ai mis une cuillère à café de miel. Voilà les filles, je passe à table et je poursuis le ménage. Un peu plus tard, il est presque 5h. Je suis allée chercher Lilou à l'école, elle est en train de prendre son goûter et j'ai terminé le ménage. Il devait être, je crois qu'il était 3h moins quart. Ouais, 3h moins quart, 3h moins 10. En fait, j'avais sorti mon vernis, je me suis dit bon, vas-y, je vais me manucurer les ongles et tout. Et j'ai eu un gros coup de barre, mais le coup de barre là où j'arrive même pas à faire un pas en plus. Et ben, je me suis écoutée tout simplement, j'ai fait une sieste, une bonne sieste même de 1h. Ça m'a fait du bien, franchement, j'en avais besoin. Comme je vous disais ce matin, j'ai passé une nuit assez, assez agitée due à Lilou. Ça va beaucoup mieux, je suis passée à la boucherie, j'ai acheté 2-3 trucs pour ce soir. Le repas n'est pas prêt, mais voilà, je sais ce que je vais faire ce soir à manger. Ah, les filles, je suis contente, ma maison, elle est nickel. J'ai vraiment bien travaillé ce matin. J'ai lavé les vitres, j'ai enlevé les rideaux. D'ailleurs, ils sont en train de laver les rideaux, je vais les accrocher. J'ai nettoyé le canapé, j'ai un canapé d'ongles. Et ce qui est bien avec ce canapé, c'est qu'on peut le détacher. En fait, on peut détacher les deux parties, pardon. Donc ça m'a permis de bien le dépoussiérer. Je l'ai bien nettoyé. Pas déhoussé pour le déhoussage, c'est très... c'est très physique, enfin c'est très très costaud. Il est très très épais et très lourd. Comme j'ai une tendinite, franchement j'ai préféré éviter. J'attends que mon mari soit là pour qu'on le fasse à deux. La dernière fois lorsque j'avais fait ça seule, j'ai eu mal au bras en fait toute la nuit. Donc voilà, mais sinon tout est presque propre. Il me reste juste la cuisine, donc tout ce qui est vitre. Je compte faire le four prochainement, le placard, le frigo. Je pense que je vais faire ça jeudi. Et je vais m'attaquer aussi à la salle de bain. J'aimerais bien faire les carreaux de la salle de bain, faire tout à fond, les vitres, enfin vitres, cuisine et salle de bain. Ouais, je pense que je vais consacrer jeudi à ces deux pièces là. Oui, je reprends juste pour clôturer le vlog. Moi je vais passer sous la douche, je vais faire un masque également à mon visage, le peeling en fait que j'ai pris hier chez Sephora, je vous l'ai montré. Et bien merci à vous les filles d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous embrasse, des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bye.